Bonsoir, amis fontenaisiens et d'ailleurs, et bien donc on reprend Restons chez nous, la musique vient à nous. Et ce soir, on est en compagnie du batteur Arnaud Dolmen. Bonjour Bonsoir. Arnaud. Bonjour tout le monde. Bonjour les Fontenaisiens. Oh, ouais. Bonjour Sophie. Et voilà, bonjour à toute l'équipe du comptoir aussi. D'accord, oui, bah oui, puisqu'on est un peu tous séparés, c'est vrai que là, du coup, les gens qui nous suivent ne voient que moi, hélas, mais c'est un peu difficile. Mais peut-être qu'on pourrait organiser un petit Zoom avec Marianne et puis avec toute l'équipe, ce serait une bonne idée. Ah ben Merci, hein? oui, Bonne ça serait super idée. C'est clair. Ouais. Bon Arnaud, tu as fait partie un peu de nos derniers concerts avant le confinement, puisqu'en fait, je crois que ça a été l'avant-dernier vendredi, hein, que tu es Vendredi, ouais, c'était le vendredi, oui. voilà, et où tu es venu avec, bon, on a eu le plaisir d'entendre un projet tout neuf, Oui, tout neuf, vraiment. hein, mais Gap Adjusting, Adjusting, hein. effectivement. Mais peut-être qu'avant de parler de ce projet, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de toi, de ton trajet et du magnifique Tombé Levé qui a été ton, je ne sais pas si c'était ton premier disque, mais en tout Oui, cas c'est le mon disque premier disque. précédent. Oui, alors, bon, moi, je suis originaire de la Guadeloupe. J'ai commencé la musique. Alors, mes parents étaient, mon père était militaire de carrière. Ancien Ouais. militaire de carrière dans les Midi-Pyrénées, dans le Midi-Pyrénées. Donc moi, je suis né en fait à Bar-le-Duc, Ah mais oui, d'accord. à Bar-le-Duc, mais j'ai fait les premiers, on va dire, les premiers instants de ma vie à Tarbes. D'accord. À Tarbes jusqu'à l'âge de 4 ans. Et là, ma mère m'avait déjà inscrit vers 2 ans, 2 ou 3 ans, dans une école pour initiation musicale D'accord. à Tarbes. Et visiblement, déjà à l'époque, j'étais déjà très attiré par la percussion, tout ça. Oui. Donc voilà, j'ai commencé là. Et après, je suis rentré en Guadeloupe avec mes parents. Et là, je suis rentré dans une école qui s'appelle l'école Marcel Lohia Di Vello, dirigée à l'époque par Georges Troupé. Et là, dedans, dans cette école, on y apprend le groka, la musique traditionnelle de la Guadeloupe, ainsi que la théorie musicale en général. Mais vraiment, la spécialité de cette école, c'est vraiment le groka. Le groka, mais on a appris aussi du jazz un peu, du classique. Et voilà. Et cette école, au-delà d'être une école, c'était une école de vie aussi. On était vraiment. Ce monsieur Georges Troupé était vraiment sur l'éducation juste de l'enfant en fait. Donc après cette école, j'étais donc dans cette école j'ai intégré le groupe qui s'appelle Kimball. Kimball, c'était le groupe des élèves les plus avancés. Donc voilà, c'était un orchestre d'école. Après cette école, j'ai eu le bac. Je suis parti à Toulouse pour faire des études de comptabilité. Mais entre-temps, j'ai continué la musique. Voilà. J'ai fait un BTS de comptabilité. Voilà. Mais entre-temps, j'ai continué la musique dans l'école Dante Agostini à Toulouse, dirigée par Daniel Dumoulin.
Et de là, j'ai rencontré différentes personnes, j'ai évolué. Voilà. Et après, bon, j'ai eu le BTS. J'ai arrêté le BTS. J'ai arrêté. Et après, j'ai arrêté, voilà, j'ai arrêté les études de comptabilité. Je me suis vraiment consacré sur la musique. Et donc, j'ai eu aussi le prix d'Agostini. Après, je suis monté à Paris. J'ai fait différentes rencontres. Et on t'a rencontré, Déjà. ouais, Comment? et Arnaud, excuse-moi de t'interrompre, parce que nous on t'a rencontré, je pense que tu avais 18 ans. Voilà, c'est ça. Mais je venais juste d'arriver à Toulouse. J'habitais même pas encore à Paris, en fait. Et j'avais un groupe d'amis avec justement le Caritou Jazz. Et c'est Ouais. par rapport à tu vois, ce groupe-là, c'était vraiment mes premières expériences professionnelles, en fait. Ouais. Donc voilà. Et en fil en aiguille, ben, j'ai rencontré du monde. Voilà, à l'époque, je faisais beaucoup la navette entre Toulouse et Paris. Et quand j'ai eu le prix Agostini à Paris, à Toulouse, ben, je suis venu m'installer à Paris. Et là, j'ai commencé à faire ma carrière vraiment professionnelle à D'accord. plein temps, on va dire. Ouais. Et là où tu as été, bon, tu as commencé la musique donc très tôt, Très mais tôt. tu as été aussi, tu es aussi assez précoce, parce que c'est finalement peu fréquent que les batteurs composent et en tout cas soient l'initiative d'un groupe et sortent un disque sous leur nom aussi rapidement, en fait, finalement. Oui, mais parce qu'en fait, finalement, j'avais alors donc tomber levé, on va dire, c'est l'aboutissement de beaucoup d'expériences en tant que co-leader. Ouais. Parce que j'ai toujours eu des groupes où je composais un peu, où j'étais co-leader. J'ai eu un groupe qui s'appelle le FDH Trio. Après, c'était un trio, mais justement avec des étudiants à Toulouse. C'était vraiment un trio de jazz. Après, j'ai eu un groupe qui s'appelle Z-Clio. Là, c'était vraiment un trio, mais beaucoup plus caribéen, hein, justement avec le pianiste qui jouait dans Caribou Jazz. Après, quand je suis monté à Paris, j'ai monté un collectif qui s'appelait le Nono Experiment. On jouait beaucoup dans les clubs. Et en fait, j'ai toujours eu ce truc de leader, en fait, de monter des projets. Et après, j'ai décidé vraiment, quand je me suis senti prêt, de faire un album en mon nom avec des gens avec lesquels, à la base, Leonardo, je le connaissais déjà, mais Adrien Sanchez, le sax qui a joué, et Joachim Bovin aussi, qui avait joué aussi sur l'album, sont des personnes que je ne connaissais pas vraiment, en fait. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est justement d'aller vers d'autres musiciens qu'avec lesquels j'ai pas l'habitude d'évoluer, en fait. D'accord. Mais Et de mélanger les styles, en fait, mélanger ma culture et eux, vraiment, comme ce sont vraiment des jazzmen, des gens aussi qui ont fait de hautes études musicales, qui ont fait le CNSM. Donc, c'était intéressant pour moi de voir comment ils appréhendaient la musique que je leur proposais, en fait. Oui, en Voilà. fait, ce qui est vraiment intéressant dans ta musique, c'est que c'est à la fois vraiment, c'est du jazz, c'est du jazz contemporain, c'est du jazz qui s'écrit aujourd'hui, mais on sent, on entend les Caraïbes, on entend dans ta musique autre chose. Il y a un son, il y a un rythme particulier. Je parle en tant que néophyte, je ne serais pas capable de décrire ces rythmes particuliers, mais on l'entend tout de suite. Et en plus, ce que moi j'ai trouvé passionnant, c'est que tu as une musique qui raconte quelque chose. J'ai pas, si, on va dire le mot, tu as une musique engagée. C'est-à-dire que tu as des compositions qui parlent de quelque chose, qui crient quelque chose ou qui ont la douceur de ce que tu veux communiquer. Et je veux bien que tu me parles de ça, parce que ça m'avait beaucoup frappé dans ta Alors, présentation. donc oui, alors moi, comme je dis souvent, quand je fais des projets perso, c'est un peu, je présente un peu une partie de moi et des sujets qui m'intéressent, qui m'interpellent. Par exemple, Tomber Levé, le premier album, le premier projet vraiment que j'ai fait en mon nom, Tomber Levé,
C'est un peu toute mon enfance, c'est tomber levé, en fait, c'est comment dirais-je, c'est un terme utilisé dans la musique traditionnelle de la Guadeloupe qui veut dire le déséquilibre contrôlé. C'est-à-dire qu'on voit un danseur faire une performance, on croit à chaque fois qu'il va tomber, mais qu'il va se. Mais en fait, il sait très bien où il est. Et voilà. Et ce terme-là m'a toujours frappé parce que depuis tout petit, j'ai toujours été façonné par ça. Et même dans l'environnement dans lequel je vivais en Guadeloupe, je trouvais qu'on était un peuple comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'on a on a une histoire qui n'est pas tout le temps évidente, qui n'a pas toujours été facile, mais malgré ça, on est toujours là et c'est une fierté pour moi, en fait, de voir que malgré tout ce qu'on a subi, malgré tout ce, ouais, même jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'on subit aussi en Guadeloupe et aux Antilles, enfin en général, eh bien, on est toujours là, on garde toujours une certaine positivité. Et donc voilà, c'est ce message que je voulais passer avec Tomber Levé. Et The Gap à Justine, c'est un peu la même chose, en fait, c'est une continuité. The Gap, c'est les écarts, en fait. C'est-à-dire que je suis musicien et j'ai la chance de voyager, bon, pas en ce moment, parce que par rapport au Ouais, c'est confinement. un peu difficile. Mais bon, en tout cas, j'ai eu la chance de voyager, de côtoyer différentes personnes d'origines complètement opposées, qui a priori, ben, on ne pouvait pas fonctionner ensemble, faire de la musique ensemble. Mais en fait, avec le recul, eh ben, juste en s'écoutant, se respectant et en s'ajustant, en fait, eh ben, on peut faire de belles choses ensemble, en fait. Et voilà, et donc pour The Gap Adjusting, c'est ça le message. C'est-à-dire que, bon, voilà, peut-être que la culture antillaise n'a rien à voir, par exemple, avec la culture japonaise, enfin, par exemple. Mais juste en apprenant à se comprendre, même si on ne parle pas la même langue, mais juste à s'observer, à essayer de ne pas avoir d'a priori, de voilà, et bien, on arrive quand même à faire de belles choses. Et par rapport à mon parcours musical, déjà, eh bien, c'est ce que je vis tous les jours, entre guillemets, en fait. Et maintenant que je suis dans l'Hexagone, ben, j'ai des meilleurs amis, en fait, j'ai de très bons amis qui viennent du Brésil, qui viennent du Japon, qui viennent. Et ça, je trouve ça magnifique, en fait. Voilà. Je trouve ça, c'est fort ce que tu dis parce que c'est réellement enfin, ce qu'on porte au comptoir. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qui nous importe. Et j'ai bien aimé quand tu as dit, j'ai été enseignée en Guadeloupe dans cette école qui était une école de vie. Mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que la musique n'est pas coupée de la vie. Et justement, quand on est sur les échanges de culture, je crois que tu as dit le mot le plus important, c'est le mot écoute. Écoute, C'est-à-dire que quand on s'écoute, même si on ne parle pas la même langue articulée, linguistique, même si on ne parle pas la même langue musicale, enfin, tu ça. vois, Voilà. en termes Oui, de solfège ou je sais pas quoi, de rythme, c'est ça. en fait, Voilà. si on s'écoute, on va trouver comment, oui. Comment arriver ensemble. Et donc, voilà. Et mes deux projets, c'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, Tomber Levé, c'était des personnes que je ne connaissais pas vraiment, en fait, et qui n'avaient jamais entendu Adrien et Joachim, surtout. Ne connaissais pas du tout le cas. Et en fait, pour moi, c'était important de justement d'échanger ça, en fait. Et pareil pour The Gap à Justine. Bon, maintenant, Adrien connaît mieux la musique, mais par exemple, le bassiste qui était Samuel Fima le jour du concert et l'autre saxophoniste que j'ai appelé par rapport à Léo qui ne pouvait pas être là, mais c'était aussi pour moi une autre manière aussi de. Voilà, d'essayer de trouver un son ensemble sans, tu vois, avoir deux saxophonistes. C'était, voilà. Donc, c'est un peu ça mon but, en fait, de. Vois, c'est juste, allons apprendre à s'écouter,
à s'écouter, à se respecter. Et voilà, c'est le message que je veux faire passer. Bon, c'est super. Et en même temps, tu es quelqu'un d'engagé. Oui, C'est-à-dire d'engager. que tu peux aussi mettre le poing sur la table. Je pense à Voilà, bien ça sûr. parce que je pense au très beau projet dont tu nous avais parlé et qui, j'espère, pourra se faire au comptoir lors de la solidarité internationale, tu sais, ce projet autour du film. Du C'est film sur tellement que moi, l'E67. je ne connaissais pas. Voilà. Alors, bon, voilà, j'étais ignare sur cette partie de notre histoire de France qui n'est pas Voilà. très reluisante. Il y en a Oui, d'autres, hein, pas reluisantes. Mais peut-être tu peux en dire un mot avant qu'on passe à alors, l'autre. il n'y a pas de problème. Alors, en mai 67, en Guadeloupe, il y a une révolution. Une révolution, comme c'est à peu près les prémices de mai 68 en France, en fait. Il y a eu beaucoup d'émeutes, en fait, en Guadeloupe. Et j'ai eu, et on m'a appelé pour justement faire la musique de reportage, enfin, d'un documentaire D'accord. qui va sortir dessus, sur D'accord. mai 67, et qui raconte justement toute l'histoire. Comment ça s'est passé, et c'est maintenant en fait que les langues se délient parce qu'à l'époque c'était un peu caché, même moi je savais pas ça. En fait, j'ai lu un livre sur mai 67 il y a même pas un an, en fait, Ah ouais, et, donc voilà. Donc, et après, on m'a appelé justement pour faire la musique, pour faire cette musique, et en fait, c'était un mouvement aussi. Les gens qui étaient à la tête de ce mouvement de mai 67, c'est un mouvement indépendantiste aussi de la Guadeloupe. Et il y a toujours des gens qui sont déjà âgés, mais qui sont toujours là et qui racontent cette histoire, qui est, wow, c'est assez prenant, parce que c'est de là aussi que je disais que je trouve que le peuple de la Guadeloupe, tu sais, c'est un peuple vraiment solide finalement, et il y a des gens qui ont déjà fait beaucoup de choses. Et donc voilà, donc j'ai eu l'occasion de. J'ai fait la musique de ce documentaire qui va sortir bientôt, j'espère. Il a été retardé par rapport à tous ces événements qui se passent en ce moment. Et donc voilà, donc j'espère pouvoir le présenter aussi au Ben oui, comptoir. vraiment Oui. avec plaisir, d'autant que bon, on va avoir l'occasion de continuer à travailler ensemble parce que c'est un Oui. plaisir. Mais Oui. je pense que bon, les gens qui nous écoutent doivent être pressés de t'entendre, d'entendre le concert. Donc, Oui. tu veux dire quelque chose d'autre avant qu'on passe à l'écoute? Alors, oui, alors je pourrais, pour le concert qu'on a présenté le vendredi, Ouais. donc c'était C'est le 3, vraiment, non. Non. c'était le 6. C'était le 6. Le 6. Donc déjà, pour moi, c'était une chance et un honneur pour moi d'être en résidence au comptoir. On a eu un petit imprévu, c'est-à-dire que normalement cette musique était écrite pour un quartet, mais avec un pianiste. Mais comme le pianiste a eu, voilà, il a eu un problème familial, donc il a pas pu être des nôtres. Et donc du coup, Francesco Geminiani est venu nous sauver, entre guillemets. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on a fait le concert avec deux saxes. Alors, deux saxes. Francesco Geminiani, Adrien Sanchez. À la contrebasse, Samuel Fima, et moi-même à la batterie. Et donc, du coup, mais pendant 2 jours, j'ai dû réadapter tout le répertoire pour cette formation. Et au final, je suis vraiment content du résultat. Ouais, Donc, c'est magnifique. apprécié. Et on a passé un vraiment super moment, et voilà quoi. Ouais. Et Bah écoute, on remercie ouais. encore Arnaud, depuis. merci beaucoup. À Merci toi. musicien qui était avec toi, qu'on ne voit pas là. Et puis, Oui. je te dis à bientôt. Et bien, à très bientôt. Et puis pour nous, bah écoutez, on va passer à l'écoute et on se retrouvera demain. Demain avec Nomade. Vous verrez, c'est un jeune groupe qui nous vient du sud de la France. Voilà, bonne écoute. Au revoir.
Au revoir, à très bientôt. Ciao, ciao.